C'était deux petits jeunes gens très gentils. L'un s'appelait Gaston, l'autre s'appelait Henri. À l'école déjà, ils ne se quittaient pas. Où il y avait Henri, Gaston était là. L'homme était timide et l'autre était hardi. Quand les pâtissiers s'arrêtaient le petit. Comme le plus gourmand d'âme, c'était Gaston. Henri lui disait, voyons entre dos. Tenant à terre, mince dessous. Gaston était pris d'un tracou. Il était intimidé. Il n'osait jamais entrer. L'émotion était si forte. Il restait devant la porte. Oui, mais Henri était là. Et ce fut lui qui entra. Et quand Henri fut dedans, Gaston entra également. Les mois se passèrent, les années et les jours. Enfin, ils connurent les douces joies de l'amour. Et Gaston un jour confie à son ami, je sens que j'ai le pépin pour la petite Marie. C'est bien, lui dit l'autre, on va demander sa main. Allons chez sa mère, elle nous recevra bien. Mais devant la porte de sa douce bien-aimée, voilà que Gaston se met à trembler. Tenant à la main son bouquet, le pauvre amoureux pâlissait. Il était intimidé, il n'osait jamais entrer. L'émotion était si forte, il restait devant la porte. Oui, mais Henri était là, et ce fut lui qui entra. Et quand Henri fut dedans, Gaston entra également. Marie et Gaston s'aimaient comme des fous. On les maria, ce fut gentil comme tout. Et Henri, cela se comprendrait à moins. Le jour de la noce fut le premier témoin. Et le soir venu, la chaste fiancée offrit à Gaston son cœur et ses baisers. En lui murmurant, mon cher petit Marie, je t'en prie, fais-moi voir le paradis. À la main, il en tenait la clé. Mais malgré sa bonne volonté, il était intimidé. Il n'osait jamais entrer. L'émotion était si forte. Il restait devant la porte. Oui, mais Henri était là. Et ce fut lui qui entra. Et quand Henri fut dedans, Gaston entra également. Pas en même temps.